a retrouvé un peu les chiffres de, enfin, qui s'étaient un peu dégradés depuis Macron. Je crois qu'ils avaient plus de 1000 congressistes, ce qui est quand même très bien. Et ils attendent pas mal. Apparemment, il y avait de l'affluence. Non, puis c'est bien organisé. Ils sont très, très, très dynamiques. Donc, j'ai pas de crainte pour l'avenir. C'est quand même un loisir qui se développe bien. Puis là, on mettait des diplômes à des jeunes entre 10 et 15 ans. Donc, il y a quand même la relève, ce qui est important. Très beau congrès. J'ai trouvé que c'était un très, très beau congrès. Très, très agréable. En plus, il y a du monde. Il fait beau. Toutes les conditions optimales me semblent réunies. Ça permet d'aller en France et dans toutes les régions de France. Ça fait déplacer, ça fait connaître. C'est quelque chose qui est intéressant. Comme vous le savez, le prochain congrès qui aura lieu, ce sera à Poitiers. Après, ça sera Le Havre, puisqu'il va y avoir le 500e anniversaire du Havre dans 4 ans. Et après, il faudra retrouver un lieu qui sera plus sud. Bon, il faut trouver évidemment des équipes qui veulent bien s'investir, parce que faut pas se le cacher, c'est quand même un gros travail. Hein. Ça se fait pas comme ça. Mais là, il y avait des organisateurs hors pair. Hein, Alors on est venu à une équipe de 12 du Cercle Généalogique Voisin, justement pour étudier le dernier congrès, alors celui qu'on va organiser en 2015. Et on va essayer de faire un congrès qui soit un petit peu différent des autres. Déjà, on fait bouger les lignes en changeant la date. On va innover, c'est-à-dire proposer à nos adhérents de tenir leur stand comme on le fait depuis presque 15 ans maintenant, tous les ans. C'est une formule qui a beaucoup de succès, ça s'est jamais fait à un congrès national, pourquoi pas. À nos 30 ans, on avait aligné 87 stands, on avait eu 1600 visiteurs sur 2 jours. Donc là, on va avoir beaucoup plus de stands puisqu'il y aura beaucoup plus d'associations. On en a vu une vingtaine en 2011. Là, je ne sais plus combien il y en a, mais au moins le double, plus les stands des adhérents. Enfin, on devrait se rapprocher quand même sérieusement des 200 stands. Sans oublier tous les partenaires du monde professionnel de la généalogie, les concepteurs de logiciels, les bibliothécaires, les professionnels, etc. Le Poitou-Charentes ayant la majeure partie de sa façade sur l'Atlantique, en face c'est les États-Unis, c'est le Canada, et on a aussi un grand pan de notre histoire qui est lié à l'Acadie, qui est lié au Québec, dont l'invité d'honneur, ça sera le Canada.